Bonjour à toutes et à tous qui nous regardez et bienvenue sur le plateau de Campus France. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'école du campus Excelia et avec nous Ibrahima. Ibrahima Fey, s'il vous plaît, je ne sais pas. Ah, bonjour, bonjour. Et avec nous les étudiants Enis Yobo et Yann Ariel Bamba. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, Ibrahima, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, tout d'abord, merci à Campus France pour ce panel que vous nous offrez. Je m'appelle Ibrahima Faye, je suis chargé de développement international pour la zone Afrique. Je suis basé à Abidjan, je m'occupe essentiellement de la représentation de Excelia à travers l'Afrique, mais également je fais de l'accompagnement de nos étudiants candidats sur leur procédure d'admission jusqu'à leur intégration en France, mais aussi je fais de l'animation de nos réseaux de partenaires à travers l'Afrique. Nous avons plusieurs parties prenantes, notamment des partenaires écoles. Donc, je m'occupe d'animer ce réseau-là, donc faire en sorte qu'il y ait des activités très souvent. Donc, comme je disais, Excelia a deux bureaux de représentation en Afrique, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Donc, je suis aidé dans cette mission-là par M. Kwaku Jefferson, qui est basé à Yaoundé. Donc, c'est nous deux qui nous occupons de faire la représentation d'Excelia sur l'Afrique. D'accord. Et pour les personnes qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, justement, Excelia? Alors, Excelia, c'est un groupe d'enseignement supérieur français qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Nous sommes un établissement triplement accrédité. Nous disposons de l'accréditation AACSB, EQUIS et AMBA, donc ce qui nous propulse sur le top 100 des meilleures business schools dans le monde. Nous sommes 1% des business schools dans le monde qui détenons la triple couronne. Excelia forme de bac à bac plus 5 dans des domaines tels que le business, le management. Nous avons également le digital, le tourisme. Nous formons également en data, en immobilier, etc. à travers 5 écoles. Et nous disposons également de plusieurs campus sur le territoire français. Et justement, où se situent ces campus sur le territoire français alors? Nous avons un campus, la maison mère, donc à La Rochelle, donc Rochelle, sud-ouest de la France. Je crois que les étudiants africains connaissent maintenant bien la ville de La Rochelle. Nous sommes maintenant également établis sur Tours et sur Orléans, et plus récemment sur Paris, à travers le campus de Cachan. Donc Excelia a plusieurs campus, ce qui permet un peu la mobilité des étudiants, la mobilité intercampus. Voilà un peu. Et puis les villes que nous avons choisies, c'est des villes attractives. Si vous parlez de La Rochelle, si vous parlez de Orléans, déjà nous avons des villes à taille humaine qui permettent un tout petit peu à nos étudiants de pouvoir facilement s'intégrer et de disposer aussi d'un tissu professionnel assez dynamique pour les stages, l'alternance. Donc sur Paris, ça va être en tout cas le campus de référence d'ici quelques années, vu que campus à travers, vu que Paris, pardon, à travers son positionnement, donc est la capitale. Donc voilà, tout se passera là-bas. Voilà un tout petit peu les campus que nous disposons à travers la France. D'accord, merci Ibrahima. Justement, un peu plus tard, on pourra revenir sur la vie étudiante dans les différents campus. Donc, les langues dans lesquelles sont dispensés les cours, ça reste français ou il y a aussi de l'anglais? Alors, nous avons le français, certes, mais beaucoup de cours, beaucoup de programmes se font en anglais depuis quand même beaucoup, depuis plusieurs années maintenant. Donc, nous formons essentiellement en français ou en anglais. Suivant le cursus choisi, suivant le niveau de langue de l'étudiant. Voilà, donc vous pouvez vous sentir à l'aise chez nous, que vous soyez anglophone ou francophone. D'accord. Merci beaucoup. Et quelles sont les formations accessibles aux étudiants internationaux, justement, par exemple, après le bac? Alors, après le bac, nous avons des bachelors, notamment le bachelor business de la business school, qui est une formation sur 3 ans qui permet à l'étudiant international de pouvoir découvrir les principes de base du management et de pouvoir approfondir ses connaissances en deuxième année et en troisième année se spécialiser. Nous avons un BBA International qui est un programme orienté sur l'international.
Nous formons les managers et en tout cas les personnes qui souhaiteraient aussi disposer de connaissances en géopolitique. Donc c'est une formation qui se déroule sur, disons, plusieurs villes. Il y a une immersion que les étudiants ont droit dès la deuxième année dans des villes comme Milan ou bien ceux qui sont anglophones dans des villes anglophones de l'Europe du Nord. Mais également, nous avons des expatriations académiques sur une année ou sur un semestre dès la troisième année. Donc, un programme qui permet en tout cas aux étudiants qui souhaiteraient faire du management et du géopolitique combiné de pouvoir se former sur 4 ans, donc un BBA à l'international, pardon, un BBA à l'américaine. Donc, pour l'école de tourisme, nous avons aussi un Bachelor Tourism and Hospitality. Pour ceux qui souhaiteraient se spécialiser soit dans le tourisme ou dans l'hôtellerie, donc nous formons à pouvoir manager des structures hôtelières ou bien tout simplement travailler dans l'économie du tourisme. À travers ce programme-là, beaucoup de nos étudiants ont pu s'insérer dans les hôtels ou bien dans des structures touristiques. C'est un programme de 3 ans qui est accrédité TETQAL. TETQAL, c'est une accréditation que l'ONU délivre et nous sommes la seule école française à disposer de cette accréditation à ce jour. Au-delà de ça, également, nous formons en digital avec l'école de digital qui forme les web designers et surtout les communicants digital, donc ceux qui souhaiteraient se spécialiser dans la communication digitale. Donc, nous avons un bachelor qui s'appelle communication et stratégie digitale, donc avec 2 spécialisations possibles, soit en web design, soit en communication et médias. Nous formons aussi en art visuel, donc ceux qui veulent devenir des directeurs artistiques, nous avons un bachelor en Bachelor of Art and Design Graphic. Voilà un tout petit peu, de manière très ramassée, les bachelors que vous pouvez retrouver à Excelia. Sans oublier également, nous avons un bachelor first year, c'est-à-dire un programme préparatoire aux études de commerce, du tourisme ou du digital. Donc, c'est un programme qui est délivré par Excelia Academy qui permet aux étudiants ou bien aux nouveaux bacheliers de pouvoir prendre une année afin de pouvoir, disons, se découvrir les domaines dans lesquels ils pourraient se spécialiser demain. Ils auront également le temps de s'intégrer en France pendant une année et par la suite décider tranquillement de quelle formation ils vont choisir en deuxième année. Voilà, donc c'est des formations comme ça que nous proposons aux nouveaux bacheliers. D'accord, très bien, merci Brahima. Et je suppose que toutes ces informations, du coup, on peut les retrouver sur le site également de l'école si vous avez loupé quelques passages. En ce qui concerne les admissions, et Brahima, est-ce qu'il y a une date pour faire son dossier, par exemple pour les élèves qui souhaiteraient s'inscrire dès aujourd'hui? Alors, nous sommes sur la dernière ligne droite des inscriptions. Nous arrêterons la réception des dossiers le 15 juillet prochain. Donc, les dates sont très serrées. Et pour ceux qui sont en terminale, nous pourrons sur demande les laisser déposer leur dossier jusqu'au 23, ce qui leur permettrait de pouvoir faire leurs examens du bac avant de venir faire la procédure d'admission à Excelia. Mais pour le reste, la date ou bien les délais, c'est le 15 juillet et ce sera la date de rigueur. D'accord. Donc, est-ce que pour les élèves qui s'inscriraient avant le 15 juillet peuvent faire la rentrée de septembre, ou alors ce sera uniquement pour la rentrée de janvier l'année prochaine? Alors, nous avons plusieurs, enfin, on a plusieurs types de candidats. On a des candidats lycées français et des candidats qui sont dans les parcours classiques en Afrique. Pour ceux qui ont vraiment besoin de temps pour faire la procédure Campus France et obtenir le visa, nous avons des rentrées décalées, notamment la rentrée de novembre pour le Bachelor First Year et la rentrée de janvier. Pour ceux qui sont des bacs français et qui n'ont pas vraiment de contraintes, peut-être de visa, ils pourront rejoindre la rentrée de septembre. Donc tout dépendra du timing et de surtout la rapidité de ces étudiants à s'inscrire chez nous. Ça dépendra de ça. Donc si vous avez
La possibilité de le faire maintenant, ce sera très, 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 en tout cas, bénéfique pour vous si vous souhaitez intégrer la rentrée de septembre. Le cas échéant, nous vous mettrons sur les rentrées décalées. D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les grandes étapes de l'admission, justement, pour rentrer dans votre école? Alors, les grandes étapes sont notamment l'inscription en ligne. Nous avons une plateforme d'inscription qui permet de réceptionner les dossiers de candidature. Une fois que nous recevons le dossier de candidature, nous l'étudions et puis nous invitons le candidat à payer les frais de dossier, donc qui s'élèvent à 50 euros. Puis il y a l'étape de l'entretien en ligne ou en face à face pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Vous faites votre entretien et sur un délai de 6 jours, vous obtenez les résultats de l'entretien. Donc, si l'étudiant est accepté à Excelia, nous inviterons ce dernier à verser un acompte de 3 000 euros sur les frais de scolarité pour disposer de l'attestation d'inscription définitive et continuer la procédure. D'accord, merci beaucoup. Et j'aimerais demander à Enis justement comment s'est passée son admission. Bonjour Enis. Enis Ouyen d'ailleurs. Ah Enis. Alors, est-ce que je ne sais pas si j'arrive à t'entendre donc pour les justement ton admission à toi, comment s'est-elle passée? Ah Enis, on n'entend pas ton micro, je ne sais pas si tu l'as branché correctement. Peut-être, je vais poser la question à Yann le temps que tu puisses rebrancher ton micro. Je te remercie. Yann, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Ah, Vous merveilleux. m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, comment s'est passé à vous, votre admission exactement? Ben, mon admission s'est super bien passée. Du coup, moi, j'étais en reconversion. J'étais déjà en France, mais je suis passé quand même par le canal de Monsieur Fay. Et comme il a expliqué, j'ai suivi la procédure. Je me suis inscrit en ligne sur le site. J'ai payé les frais qu'il fallait. Et ensuite, voilà. 4 jours après, j'ai reçu mes résultats et j'ai pu être admis, quoi. C'est un peu ce qui s'est passé. Et quel conseil tu pourrais donner justement à d'autres élèves qui voudraient rentrer dans l'école aussi pour réussir son admission? Ben, ce que moi je peux conseiller, c'est d'avoir un peu une idée, je dirais pas parfaite, mais de vraiment savoir ce qu'on veut. Parce que l'admission, c'est un peu plus sur le projet personnel. Lors de l'admission, il y a plein de questions, mais on demande plus qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de l'école et tout, et quels sont vos objectifs. Donc, je pense que il faut vraiment, avant l'admission, faire une bonne lettre de motivation, savoir se vendre, et je pense que le tour est joué, quoi. Merci beaucoup Yann pour ces conseils. Merci beaucoup. Et Ibrahima, vous, qu'est-ce que vous diriez justement à un élève qui souhaiterait avoir des conseils pour réussir son admission? Alors, le premier conseil, c'est de disposer d'un projet d'études cohérent, donc par rapport à son parcours académique, par rapport également à ses notes. Donc, il est très important de se connaître et de se dire, voilà, dans quel domaine je serai le plus à l'aise et de bâtir son projet d'études sur cette base-là. Enfin, le projet d'études également ne peut pas aller sans projet professionnel parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, le projet d'études doit déboucher sur un projet professionnel cohérent. Et les deux, on va dire, c'est le socle déjà de l'entretien d'admission. Maintenant, l'autre conseil, ce serait quand même de faire sortir les points forts du parcours que l'étudiant a. S'il y a des expériences professionnelles, des expériences associatives ou extrascolaires, voilà, donc si l'étudiant a voyagé, etc. Donc tout cela permet un tout petit peu à l'évaluateur de pouvoir se donner une idée globale de l'étudiant. Voilà, l'ambition également de l'étudiant est, à mon avis, très, très intéressante à évaluer, vu que voilà, nous sommes des écoles qui formons pour l'avenir. Donc, nous souhaiterons avoir des étudiants qui sont orientés vers l'avenir et qui ont envie de réussir et ont envie également d'aller très, très loin
Voilà un tout petit peu les conseils que je peux vous donner en tant qu'étudiant désireux d'intégrer, etc. D'accord. Est-ce qu'il y a des autres prérequis pour candidater au programme ou vous les avez tous cités là dans la Oui. question précédente? Oui, je n'ai pas cité peut-être les documents à fournir. Donc, il y a le bac. Si vous souhaitez intégrer une première année, il faudrait impérativement avoir un bac et un CV détaillé. Pour ceux qui veulent postuler pour une deuxième année, il faut le bac et un bulletin qui stipule que vous avez validé 60 crédits. Ainsi de suite, pour la deuxième année, il faudrait le bac et un bulletin qui stipule que vous avez validé 120 crédits. Donc, ça va suivre la logique du système LMD. Donc, tout crédit que vous validez quelque part dans le monde, normalement, vous pourrez les faire valoir en France, chez nous. D'accord, très bien. Et où se déroulent les cours exactement? Il y a un lieu en particulier, un bâtiment en particulier? Comment ça se passe? Non, enfin, je veux dire, les cours se déroulent au sein de nos campus, évidemment, mais après, on a des amphis et des salles de cours. Donc, si c'est des cours magistraux, voilà, ça se déroule à l'amphi. Si c'est des cours de spécialisation, par exemple, ça se déroule en classe. Il y a les TP, voilà, et on a des salles de TP, etc. Donc, voilà, chaque type de cours répond à un besoin et nous faisons en sorte d'avoir les infrastructures adéquates pour pouvoir les réaliser convenablement. D'accord. Est-ce que vous accompagnez les élèves justement pour leur démarche administrative et si oui, jusqu'à quel niveau? Oui, tout à fait. Ça fait partie de la mission du Bureau Afrique d'accompagner les étudiants africains. Je disais que sur cette partie-là, accompagnement, nous faisons en sorte déjà d'orienter l'étudiant pour qu'il trouve la bonne formation qui va être en adéquation avec enfin, son projet, qui va être en adéquation avec son profil. Une fois que la formation est trouvée, nous donnons les conseils que nous venons de vous donner à cet étudiant-là, donc pour qu'il puisse réussir son entretien. Après également, après l'entretien, après réception des résultats, nous revenons donc pour l'accompagner dans la procédure de paiement des frais de dossier, pardon, de l'avance de l'acompte sur les frais de scolarité, les 3 000 euros. Nous intervenons aussi sur la partie Campus France, même si c'est en forme de conseil. Sous forme également d'orientation. Donc, nous aidons un tout petit peu ces étudiants à pouvoir, disons, faire en tout cas les bonnes manipulations. Également sur le logement, nous aidons beaucoup les étudiants pour pouvoir manipuler notre plateforme. Et enfin, pour le dépôt de visa aussi, ça nous arrive de temps en temps de jeter un coup d'œil sur le dossier et puis de voir si toutes les. Enfin, les prérequis sont disponibles. Voilà un tout petit peu sous forme de conseil ce que nous faisons. Et puis à l'intégration, nous sommes toujours là pour mettre en contact les étudiants qui sont déjà sur place avec les étudiants qui arrivent. Nous sommes là également pour organiser l'accueil des étudiants avec les ambassadeurs qui sont sur nos campus. Voilà, on est avec l'étudiant du début jusqu'à son arrivée en France et même au-delà. Donc, il nous arrive que les parents nous appellent pour nous demander si l'enfant se comporte bien à l'école, etc. Voilà, nous restons le pont entre le parent et peut-être l'administration centrale d'Excellia. D'accord, et justement, pour parler d'adaptation, vous avez votre propre centre de logement, c'est ça, dans le campus? Alors, on va dire que nous travaillons avec StudAPART, qui est une plateforme qui regroupe l'ensemble des logements disponibles dans les villes où nous sommes présents. Donc, les logements peuvent être des résidences estudiantines, ça peut être des appartements privés ou des familles d'accueil. Et en fonction du besoin, du budget, etc., StudAPART et nous-mêmes, hein, à travers le service Student Life, nous aidons les étudiants à pouvoir trouver le logement qui va avec le budget. D'accord, ça marche. Justement, je voulais poser la question à Enis. Comment s'est passé ton emménagement avant ta rentrée des classes?
Alors, moi, quand je suis arrivée à La Rochelle, il y a l'habitant chez qui j'étais, qui est allé me chercher à la gare de La Rochelle, qui m'a accompagnée chez elle à la maison, qui m'a bien reçue. Et là, on a eu à échanger sur les principes de sa maison. Et disons que l'intégration était plutôt difficile parce que je suis étrangère, mais elle s'est bien passée au fur et à mesure. J'ai appris à connaître la personne chez qui j'étais et tout allait plus mieux. Voilà. D'accord. Et ça fait combien de temps là que tu vis dans cette nouvelle maison alors? Je suis chez elle depuis 5 mois, depuis le mois de janvier. Bien, je te souhaite une très belle année dans cette maison, justement. C'est parfait si ça Merci. s'est bien passé. Et Ibrahima, par rapport à la vie associative des étudiants, est-ce qu'il y a des associations étudiants, justement? Oui, on en a plus de 50 hein, qui traitent de différents thèmes. Nous avons des associations qui parlent de sport, sport nautique, etc. Il y a d'autres associations qui parlent d'environnement. Voilà, donc il y a énormément de thèmes, 50 associations, quasi 50 thèmes. Et c'est très intéressant de parler des associations parce que c'est une expérience également que l'établissement offre à travers ces associations-là, qui d'ailleurs, ça arrive que des associations gèrent des budgets qui dépassent les 1 million d'euros. Donc c'est une expérience énorme pour ces étudiants qui arrivent en France et qui s'intègrent dans ces associations. Ils mènent plusieurs activités tout au long de l'année. Et ils gèrent de l'argent, donc ça les permet d'avoir une petite expérience déjà professionnelle avant l'heure. D'accord. Et j'ai une question à poser à nos étudiants. Donc, Eunice, est-ce que tu avais des appréhensions avant de venir étudier en France? Déjà, j'avais un peu peur de l'environnement dans lequel je me lançais. Parce que c'est un nouvel environnement, je ne connaissais pas. Mais j'ai réussi à faire la rencontre de plusieurs personnes, notamment des étrangers, des Africains. Et cela m'a permis de développer de nouvelles compétences, notamment l'écoute de l'autre. Et ça m'a permis d'avoir de nouvelles expériences, notamment à la Croix-Rouge. Et disons que tout s'est bien passé. D'accord, merci. Et en ce qui concerne Yann, est-ce que tu avais toi aussi des appréhensions avant de venir emménager? Ben, comme je vous ai dit, moi j'étais plutôt en reconversion, donc du coup je vivais déjà en France. D'accord, donc Mais quand même, l'immigration s'est bien passée. j'avais un peu peur parce que je venais dans une nouvelle ville, je connaissais personne, surtout pour le logement. Mais bon, tout s'est bien passé parce que j'ai eu l'accompagnement de l'école et j'ai pu rencontrer des personnes super gentilles et présentes pour tout ce qui est dans toutes les étapes, en fait, à aller convenablement. D'accord. Merci beaucoup, Yann. Et Ibrahima, est-ce qu'on peut parler justement des frais de scolarité pour un type de Oui. bachelor en particulier, ou alors peut-être avoir une moyenne? Oui, je vais aborder peut-être les frais de scolarité sur une. On va parler de moyenne plutôt. Donc, on est en moyenne à 9 000 euros. On a des formations qui coûtent dans les environs de 8 000 euros, d'autres 11 000 euros. Voilà, donc tel que le BBA. Donc, voilà, la moyenne tourne autour de 9 000 euros. D'accord. Et est-ce qu'il y a des types de bourses, par exemple, pour aider les élèves à financer? Alors, nous acceptons les bourses d'État, mais nous n'offrons pas de bourses Excelia. Voilà. D'accord. Mais les bourses d'État, les bourses des organisations, voilà, reconnues, nous n'avons pas de problème à accepter ces bourses-là. D'accord, ça marche. Et tout de suite, je vous propose de regarder une autre vidéo qui s'intitule Il parle de nous avec Malak Kabel, une étudiante marocaine. Bonjour, je m'appelle Malak Kabel, j'ai 20 ans et je suis originaire du Maroc. Actuellement, je suis en troisième année du bachelor business, spécialité management commercial à Excelia Orléans. J'ai connu l'école grâce à des amis qui souhaitaient l'intégrer également. Ce qui me plaît le plus à Orléans, c'est son patrimoine culturel ainsi que son histoire, qui est toujours présente à travers la nomination de ses rues. Aussi, j'aime bien sa localisation. Elle n'est pas loin de Paris et elle constitue un point de passage stratégique sur la Loire.
À Excelia, les étudiants se sociabilisent rapidement grâce aux différents événements organisés par les associations étudiantes. Ça m'a aidé à m'intégrer au sein de l'école et à rencontrer des étudiants français et internationaux. Pour l'année prochaine, je prévois de poursuivre sur le Master Grande École à Excelia. À la fin de mon master, je peux retourner au Maroc avec des diplômes et des expériences solides, rester en France ou bien partir à l'international. Ça dépendra des opportunités qui vont s'offrir à moi. On verra ce que l'avenir nous réserve. Bye bye! Rebonjour tout le monde et justement revenons avec Ibrahima tout de suite pour nous parler des spécificités pédagogiques justement de l'école. Ibrahima, si vous pouvez. Alors, pour les spécificités pédagogiques, nous avons le learning by doing, nous avons l'expérientiel et les learning expedition. Nous avons également deux modules ou activités qui s'appellent Humacité et Climacité que vous retrouverez uniquement à Excelia. Donc, je parlais du learning by doing, nous apprenons par la pratique, nous faisons beaucoup de cours, on va dire, qui se positionne, disons, sur des aspects à la fois ludiques, pédagogiques. Donc, on mixe des activités ludiques et pédagogiques pour permettre aux étudiants de pouvoir s'épanouir tout en étudiant. Nous poussons également nos étudiants à faire des learning expeditions ou des expatriations académiques pour découvrir le monde, découvrir l'autre. Mais aussi, nous poussons nos étudiants à pratiquer les activités telles que Humacité et Climacité. Donc, Humacité pour développer des caractères assez humanitaires, donc pour développer l'humanisme dans nos étudiants. Mais aussi la partie Climacité qui pousse nos étudiants à être beaucoup plus regardants sur les enjeux climatiques. Donc, ils auront des activités de groupe qui vont permettre de préserver l'environnement ou de proposer en tout cas des solutions de préservation de l'environnement. Voilà un peu quelques activités ou modules spécifiques que vous retrouverez uniquement avec Excelia. D'accord, très bien. Et en ce qui concerne les matières étudiées, quelles sont-elles? Alors, pour la Business School, nous y verrons du marketing, marketing mix. Voilà, y verrons également de la comptabilité, de la gestion des ressources humaines, contrôle de gestion. Voilà, un peu du tout, tout ce qu'on retrouve en entreprise, voilà, comme en termes de secteur. On fera en sorte que l'étudiant, sur la première année, l'étudiant aura l'initiation aux principes de base du management, aux principes de base de l'entreprise dans sa globalité. En deuxième année, il y aura un approfondissement de ces principes. Et en troisième année, les spécialisations et c'est des cours qui vont se dérouler sur des modules voilà, donc essentiels pour pouvoir maîtriser l'opérationnel dans une entreprise. Pour la partie tourisme, nous aurons des cours d'économie du tourisme. Nous aurons également des cours de management de projet écotourisme. Ainsi de suite, pas moins de 17 modules. Maintenant, sur le digital, on fera beaucoup plus dans les langages PHP, donc tels que JavaScript, tels que HTML. Il y aura également des cours de création de contenu, notamment avec le logiciel Photoshop, InDesign, Illustrator. Il y aura également des cours de montage vidéo, montage photo. Et tout cela va se boucler par des cours de management ou de pilotage de projets digital, vu que pour le digital, l'objectif est de former des managers de projets digital qui ont la capacité de créer des contenus, de mettre en place des stratégies digitales, mais aussi d'être opérationnels voilà, pour la création des sites web, etc. Voilà un tout petit peu les cours de manière très ramassée. La liste est très longue. D'accord, merci beaucoup Ibrahima. Et une petite question pour Eunice, j'aimerais savoir quelle était ta matière préférée. Alors, parlant de matière préférée, j'en avais pas. J'aimais tous les modules, mais il y avait aussi un peu plus l'informatique. J'aimais bien ça
parce que ça nous permettait de faire des codes pour trouver, pour faire plus facilement des tableaux. J'aimais plus ce cours. Merci beaucoup. Et Ibrahima, est-ce que l'alternance est possible dans les différents cursus, justement, que vous proposez? Tout à fait. Dès la deuxième année d'intégration, vous avez la possibilité de chercher une alternance et beaucoup en trouvent. Nos étudiants aujourd'hui sont dans plusieurs secteurs d'activité et on a un réseau d'entreprises partenaires également qui permet que cela puisse être possible. En tout cas, à Excelia, tout étudiant qui fait une année en France dès la deuxième année peut normalement demander à faire une alternance et à le Career Center qui s'occupera de l'aider à pouvoir trouver son contrat de professionnalisation ou son contrat d'apprentissage. Très bien. Et par rapport aux études que vous proposez, donc quelles sont les spécialités justement accessibles aux élèves? Alors pour les spécialités, il y a d'abord sur la partie business des spécialités telles que marketing et relations clients, international business, nous avons banque et assurance, en tout cas pas moins de 10 spécialisations, même sur la partie RSE, donc c'est possible de se former et de se spécialiser en stratégie de développement durable, RSE et environnement. Maintenant sur la partie digitale, nous avons une spécialisation en web design, une spécialisation en communication et médias. Sur la partie tourisme, il y a également pas moins de 8 spécialisations pour ceux qui veulent être des yield managers ou bien des spécialistes de l'accueil dans les hôtels ou sinon des marketeurs dans le domaine hôtelier. Très bien. Et justement, pendant les formations, combien de périodes de stage sont justement obligatoires de faire durant ces années-là? Chaque année, il y a une période de stage, un mois ou de 4 mois. Voilà, donc pour la première année, pour les nouveaux bacheliers, ceux qui viennent d'arriver en première année, il y a le stage d'initiation ou de découverte, voilà, que l'étudiant peut faire dès la première année. Ainsi de suite jusqu'à la troisième année où il y a le stage de spécialisation ou de perfectionnement, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas le stage avant soutenance. Donc c'est chaque année, l'étudiant a la possibilité de faire un stage de fin d'année et de pouvoir appliquer ce qu'il apprend à l'école. D'accord. Est-ce que vous avez des partenariats avec des entreprises pour aider les élèves justement à trouver un stage plus facilement? Tout à fait. On a un réseau de plus de 2000 entreprises partenaires en France et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes une école qui dispose d'un Career Center, donc qui permet aux étudiants de pouvoir se préparer à affronter le monde professionnel, mais également le Career Center met en relation ces entreprises partenaires aux étudiants. Donc nous avons aussi des journées carrière, nous avons des journées où nous appelons les entreprises à venir rencontrer nos étudiants sur nos différents campus. Voilà un tout petit peu le dispositif que nous avons mis en place à travers ce réseau d'entreprises partenaires. D'accord, merci beaucoup. Et Yann, une question pour Yann. Est-ce que tu peux nous parler d'un de tes stages ou du stage que tu as effectué justement pendant ta formation? Oui, en effet, j'ai effectué un stage l'année passée en deuxième année de Bachelor Business. J'ai eu enfin un stage, mais hors de France, stage chez Orange Côte d'Ivoire en tant que Inventory Management Intern, en gros, ce qui a trait à la gestion des stocks. C'est un stage que j'ai pu trouver moi-même, mais aussi grâce à l'aide de l'école, parce que j'ai beaucoup été accompagné à travers le Career Center, comme l'a souligné Monsieur Fay, à travers aussi le Student Life, qui m'a permis de, par exemple, de modeler mon CV, de mieux modeler ma lettre de motivation. Et voilà quoi. D'accord. Merci beaucoup Yann. Et pour Ibrahima, une fois vos jeunes diplômés, justement, est-ce que vous les aidez à s'insérer dans la vie professionnelle?
Oui, déjà, il y a un dispositif qui est l'alternance, déjà, qui est une très bonne activité pour avoir un emploi. Donc, moi, je me dis que un étudiant qui réussit à avoir une alternance a beaucoup de chances de pouvoir s'intégrer après l'obtention du diplôme. Il y a également le dispositif du Career Center, qui tout de suite vous met à disposition une plateforme qui permet de pouvoir trouver les offres d'emploi à travers la France, à travers le monde entier, vous aider à vous orienter surtout par rapport au métier que vous voulez faire et les possibilités que vous pouvez avoir, disons, en peut-être optant pour l'international, etc. Donc, on a toutes ces informations-là que l'étudiant retrouve au niveau du Career Center. Et cet accompagnement pour mettre le CV à niveau, la lettre de motivation à niveau, on peut aller jusqu'à faire des simulations d'entretien pour nos étudiants, pour les permettre de comprendre plus ou moins les enjeux et de se préparer à l'entretien, voilà, d'embauche. Tout cela est mis en tout cas, à contribution pour permettre à l'étudiant de trouver son premier emploi. Alors, nos chiffres, quand même, sont assez satisfaisants côté insertion professionnelle. Nous tournons pour certains programmes, nous tournons autour de 98,6% de taux d'insertion. Je pense que le dispositif est relativement efficace pour le moment. Bien, merci pour ces chiffres très valorisants, justement. Est-ce qu'on peut se permettre de parler de salaire pour un jeune étudiant qui, justement, viendrait de trouver son premier emploi, ou ça dépend bien évidemment des entreprises? Oui, mais quand même, ils seront rémunérés, c'est sûr, et il y a des salaires quand même qui tournent autour de, pour quelqu'un qui sort, par exemple, avec un master grande école, les salaires tournent autour de 38 000 euros l'année. Voilà, donc ça, c'est les salaires de base. Après quelques années d'expérience, après 6 mois, après 1 an d'expérience, ce salaire, peut monter à 46 000 euros, par exemple, l'année. C'est des chiffres qu'aujourd'hui nous disposons à travers nos nombreux étudiants qui travaillent dans des entreprises telles que Air France, telles que la Société Générale, etc. Je ne vais pas en citer, mais c'est des salaires quand même assez valorisants pour un étudiant qui vient juste d'intégrer le tissu professionnel. Et quel accompagnement, quel conseil vous donneriez justement à un étudiant qui souhaite monter son entreprise? Alors, pour ceux qui souhaitent monter leur entreprise, il faudrait avoir la bonne idée déjà, une idée et en discuter autour de soi, être sûr que c'est la bonne idée. Et ainsi, avec les cours d'entrepreneuriat que nous disposons, des cours d'innovation que nous délivrons à nos étudiants, nos étudiants ont la capacité d'être innovants et de proposer des solutions à leur marché. Je pense qu'un étudiant qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat doit disons, se rapprocher de personnes, de mentors qui pourraient déjà l'aider dans tout ce qui est matérialisation de l'idée, mais également essayer de lui donner les bons conseils pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Maintenant, cela ne suffira pas. Il faudrait beaucoup d'abnégation et beaucoup, en tout cas, de persévérance, c'est sûr. Mais en général, les outils, en tout cas, les compétences et les connaissances, les prérequis pour faire de l'entrepreneuriat seront à la disposition de chaque étudiant qui sort de Excelia. Le reste, ce sera de la volonté, la persévérance, mais aussi s'entourer de bonnes personnes qui peuvent vous aider à débloquer des situations et également trouver, comme je l'ai déjà dit, la bonne idée qui est l'opportunité en fait d'affaires, que ce soit en France, que ce soit ailleurs. Il faudrait trouver l'opportunité, la solution qui peut peut-être changer la vie de plusieurs personnes. Et c'est là où on devient un entrepreneur peut-être innovant et intéressant. Et cela va évidemment avec les revenus. Voilà, si vous avez un bon produit, les gens vont l'acheter et vous serez en quelque sorte, en tout cas, vous aurez une rémunération pour être assez modéré. Merci pour ces conseils et je vous propose tout de suite de regarder une vidéo d'Excelia, Explore Your Future. Every great adventure
begins with a single step. Our journey starts here. At La Rochelle, in a pioneering school which is open to the world. This is the start of an unforgettable journey. I've always had the soul of an explorer, in search of new horizons, and I like the idea of discovering something new with every step. And that's what Excelia has given me. A wide choice of courses, innovation and creativity at the heart of them all. They improve my skills for sure, but they also help me to develop as an individual and become more independent. Excelia has a bunch of innovative teaching methods which challenge you, take you beyond your comfort zone, give you the experiences you never imagined and that you'll never forget. I like a challenge and I want to conquer new worlds. The greatest challenges are also the toughest challenges. At Excelia, we find out about the realities of today's world. Incredible experiences, teaching us about humanity, integrity and tolerance. Every day I feel as though I'm growing and developing. My course is teaching me responsibility, self-sufficiency, leadership and teamwork. I am involved in various biodiversity projects. Diversity, social responsibility, and long-term development are central to everything we do. At Excelia, we take time to consider the people around us and the planet we live on. I want to find my place in the world. That means I have many roads to walk. It doesn't matter where, every path leads somewhere new. I dare to travel far, to immerse myself totally in distant lands and cultures. Every time, I felt opened a new window on the world. I learned not to be afraid. I learned to live my dreams. To understand the world means looking and listening to others. Here, I mix with teachers and students from the four corners of the planet, and I have become a citizen of the world. Make choices and open up a world of possibilities. Develop a global vision and become a leader for future generations. Dare to walk up unexplored paths and change the way we think. Excelia, explore your future. Merci de nous regarder et je vous propose de revenir tout de suite avec Ibrahima pour conclure cet entretien. Alors Ibrahima, qu'est-ce que vous direz justement à un étudiant à l'international qui souhaite venir en France et plus particulièrement à Excelia, même si vous avez déjà répondu à cette question, mais disons pour conclure, pour motiver un élève à venir s'inscrire chez vous. Alors je lui dirais que si aujourd'hui ses ambitions et de pouvoir s'ouvrir au monde, si ses ambitions est de pouvoir acquérir des compétences qu'il pourra revaloriser et puis revendre partout dans le monde, si l'étudiant est en quête d'expériences uniques à travers des voyages, des immersions, des stages, de l'alternance, si l'étudiant est dans une logique également de pouvoir entreprendre dans le développement durable, participer à tout ce qui tourne autour du développement de son environnement, de sa société, de sa personne. Je pense que Excelia est le meilleur choix. Excelia restera en tout cas un établissement qui est ouvert au monde, qui est triplement accrédité, qui forme des leaders de demain. Et Excelia propose une excellence académique qui n'est plus à discuter au vu des classements, des derniers classements que nous occupons. Aujourd'hui, le top 50 mondial à travers le Financial Times, le classement du Financial Times. Donc, je pense qu'un étudiant qui a envie d'exploser, qui a envie d'avoir une carrière atypique dans ce village planétaire, aujourd'hui, Excelia est, à mon avis, le meilleur choix que vous pouvez faire pour votre avenir. Voilà un tout petit peu ce que j'avais à dire à cet étudiant. Bah, je vous remercie, Ibrahima, pour votre intervention aujourd'hui, pour nous avoir fait part de vos conseils, de votre savoir sur cette école. Et merci aussi à Yann et Eunice, nos deux étudiants qui étaient là
avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions. Merci beaucoup pour votre présence et en espérant avoir plusieurs inscrits pour la rentrée de septembre, novembre justement, ou de janvier. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis sur Campus France et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.